proposer. Voilà des combats pour ceux qui veulent voir un peu la hargne. Faites l'amour, mais faites aussi la guerre, qui disait, voilà. Et donc, vous allez avoir les démonstrations par Maître Luce, et ensuite, les danses reprendront, avant de terminer aussi avec la musique, et puis le feu, et puis tout ça, hein, avant d'aller faire le dodo. Ah, c'est bon. Bonsoir messieurs dames. On va commencer assez rapidement, on va vous montrer quelque chose que vous voyez très rarement. On va vous montrer les arts martiaux historiques européens. C'est le contraire de tout ce que vous voyez en général sur les fêtes médiévales. Normalement sur les fêtes médiévales, on peut voir du spectacle. C'est génial, c'est super, ça fait du bruit et c'est pas facile à faire. Par contre, ce n'est pas la réalité. Pour vous montrer rapidement ce que c'est un spectacle, on va vous montrer bien. C'est pas très bien, mais vous pouvez quand même applaudir. N'hésitez pas. Donc, ça, c'était du spectacle. Parfois, c'est très bien fait, mais c'est du spectacle. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque, les gens qui étaient dans la guerre, c'est des champs de bataille, dans les combats singuliers, ils s'amusaient à frapper dans l'air ou de frapper comme cible principale l'épée adverse? Ben non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont utilisé comme cible primaire la tête, le visage et la gorge. Et pour ça, nous, on a utilisé une protection, laquelle n'est pas très historique, mais extrêmement efficace. Un masque escrime du 21e siècle. Mais je pense que vous allez voir très rapidement que c'est une nécessité de nous. Donc là, avec Olivier, on va commencer à vous montrer les techniques du Codex Valachal du 15e siècle. Donc, c'est assez simple. Une attaque, une contre, le contre du contre, etc., etc. Comme ça, vous pouvez voir un enchaînement d'art martial à l'épée longue du 15e siècle. Entre ce que nous faisons et ce que peut voir en général dans les films d'Hollywood. D'ailleurs, normalement, Hollywood, le combat, ça dure très très longtemps, un quart d'heure, au moins. C'est normal parce qu'il faut remplir 2 heures et demie de film.
Mais vous avez bien vu la dernière partie de notre combat, ça a duré 10 secondes, 15 maximum. Et encore, ça c'est encore long. Là, je vais essayer de vous montrer avec trois de mes élèves des techniques encore bien plus rapides. Des techniques qui sont fatales, mortelles. En tout cas, qui sont là pour rendre l'adversaire hors, comment dire français, hors état de nuire, pour rester politiquement correct. En général, quand on parle d'escrime, on pense toujours de ceux à l'épée. Mais à l'époque, l'escrime ou escrimi, vous ne voulez pas dire uniquement comme à l'épée, mais c'est un combat tout court. Donc, on pourrait montrer l'escrime à l'hélébarde, à la dague, je ne sais pas quoi encore, marteau de guerre, épée bocle, etc., etc. Mais nous, on a décidé de vous montrer une arme extrêmement exotique, lesquelles on ne voit pratiquement jamais. C'est une arme qui fait partie des armes des paysans, et c'est la faucille. Donc nous aurons un maître d'armes de Augsbourg qui a laissé, heureusement, un traité sur cette manche avec des techniques à la faucille. Donc comme tout à l'heure, on va faire une attaque, le contre de l'attaque, le contre du contre, etc., etc. Donc on ne s'est pas beaucoup entraîné, j'espère que ça va bien se passer, Max. On va essayer. Donc bien sûr ici c'est plutôt marché qu'un zéro, pour faire la pub. Scotché. Il faut savoir qu'à l'époque, les faucilles n'étaient pas lisses. Ils avaient des dents. Et extrêmement pointues et aiguisées.
Donc vous rigolez bien, c'est bien, effectivement, c'est extrêmement spectaculaire. N'oubliez jamais, derrière tout ça, vous avez un art martial qui l'a construit. Donc, vous avez bien sûr beaucoup d'états de coulées d'armes, mais il y a également l'escrime à main nue. Et les vieux maîtres allemands, je suis désolé, les maîtres français n'ont pas existé à ce moment-là, ils ont inventé deux luttes différentes. La lutte de plaisance, de plaisir, qui ressemble beaucoup à la lutte gréco-romaine de nos jours, et également la lutte des guerres, des Kriegsringen, qui ressemble beaucoup plus au jujutsu. Par contre, ça a été créé chez nous, utilisé chez nous, à partir du 13e, 14e jusqu'au 16e siècle. Olivier. Moi je vous prends tous les deux. Sinon, je vais vous le dire, sauvagement, nous ne sommes pas une troupe de réconciliation historique. C'est qu'on appelle aussi une troupe médiévale. Nous ne le sommes pas. Nous, on fait un art martial. Nous sommes fédérés à la Fédération française d'escrime. On fait un art martial comme on peut faire du karaté, du kendo, du judo, etc. Donc, ici, vous souhaitez des informations
sur des arts martiaux historiques européens, mais nous sommes spécialisés dans le Piémont. N'hésitez pas à venir nous voir. On donne des cours à Avon, c'est pas très loin. Et bah écoutez, on va faire bientôt.